C'est Natacha Moreau, mais depuis 15 jours à la convolée en juste noce. Chère Madame Chaud, montrez-nous votre alliance. Vous êtes toujours aussi belle. Et Monsieur Giusti va se fendre d'une bise pour saluer Paul Bretel, victoire aujourd'hui. D'accord. Quelqu'un la représente, le feu juste. C'est toi qui prends pour elle, d'accord. Alors, d'abord que tu donnes à Aïza. Aïza, elle est dans le coin. Ah, il est parti. Il y a quelqu'un parce que tu ne vas pas pouvoir tout prendre. Ou alors on est tout dans le sac. Ah ben oui. Marise, elle va nous aider à tout mettre dans le sac. Regarde. Voilà. Hop. Et on prend pour Adama avec la varie. Le chrono de Natacha Chaud, 42 minutes et 17 secondes. Adama avec la varie, 44 minutes 43 secondes. Et on va appeler directement la troisième féminine qui a, eh bien, a terminé en 51 minutes et 31 secondes. Elle avait terminé troisième l'année dernière et sous les couleurs du restaurant Le France. La voilà troisième aujourd'hui, Émilie Rottenberg. Bravo. Ça a été une loupée cette course. Hein. Où y trouver le bien cette course On va attendre les garçons. La scène, Charaman. Bravo la scène, monsieur l'adjoint, voilà, les bises, voilà, à sa copine de club, Émilie. La scène, une place de Fréjus. Benoît Cavalé. Donc 41 minutes et 31 secondes. Et le troisième, c'est Christophe Pellicot qui au sprint a battu Jean-Philippe Raphaël. Christophe Pellicot. Oui, on est entre nous, et puis voilà, c'est droit, c'est dur aujourd'hui. Vous pouvez les raccompagner sous un tonnerre d'applaudissements. Et là aujourd'hui, qui s'est avérée la meilleure. Bravo, chère Stéphanie. 1h24 minutes et 41 secondes. Voilà donc la meilleure des filles aujourd'hui. Juste un petit mot, vous êtes super chargé, on va pas durer longtemps. C'est un bel exemple, j'ai envie de dire, la famille, le mari, tout le monde est là, tout le monde vous soutient et vous avez été vous champion aujourd'hui. Les bénévoles étaient contents de vous voir parce que pareil, vous avez souri pendant toute la course également. Bravo, merci. Voilà. Tu veux monter, on prend le poteau, viens. Allez, allez, on va prendre le poteau pour le papa. Alors, laisse ton portable à quelqu'un. Voilà, voilà, parce que c'est pas tous les jours qu'on a ce type de plaisir, voilà. Hein, là, voilà. Ouais, oui. C'est un peu différent, la picholine. Il faut bien un article différent, quand même, voilà. Alors, la famille. Voilà, alors, le poteau, photo sourire, voilà. Et puis après, la petite famille va redescendre et on va accueillir la deuxième, la troisième famille, bien sûr. Il y a la... Voilà, ouais, la sono. Tu as ta course pour repartir. Tu peux la garder hein, si tu veux, mais elle va te fatiguer. Voilà. Alors, heureusement qu'on a du monde pour récupérer ce prix de maman. La deuxième féminine, eh bien, c'est Carole Guérin. 1h25, Carole Guérin. Oh Carole, très bien défendu, chère Carole. Vous aviez gagné la course des paroisses à Saint-Raphaël. Et aujourd'hui, eh bien, ça fait jouer à une minute. Et vous êtes formé défendu aujourd'hui, chère Carole. Et la troisième féminine, c'est Béatrice Klein. Bonne surprise. Béatrice Klein. Ah, elle est là, Béatrice. Venez là, venez là. C'est rattrapé en EDS. Vous y croyez pas toujours, j'ai l'impression. Oui, carrément, ils sont dans les produits. Oui, je vois. C'est toujours en apesanteur, hein, j'ai l'impression.
Bon, félicitations parce que c'est pas de la chance. Hein. Elle est deuxième, elle est première, vous êtes troisième. Et autre chose, on est là au classique. Quel type champion de Côte d'Azur de France en titre? Un grand champion. Un beau champion. Parce qu'il a des jambes, il a du cœur. Et il court avec sa tête, il est généreux. C'est un exemple à plus d'un titre. Les applaudissements pour Atel Akin Finami. Partenaire de Daniel Lanfo. Adèle Hakim, tu sais que si beaucoup, pas simplement après juste font de la course à pied, c'est parce qu'ils voient ce que tu es, ce que tu représentes et l'exemple que tu donnes. Bravo. Merci, merci. Il faut rester passionné. On est des passionnés de course à pied. On aime courir. C'est vraiment une passion. On ne fait vraiment pas ça pour la performance. On aime courir, tout simplement. Merci. Deuxième, Fouad El Azaoui, le double vainqueur de Power pour une fleur antide. Fouad El Azaoui, c'est ton pote, hein, où tu vas, il vient. On s'entraîne ensemble, c'est un très bon coéquipier. Hey, il est là, quand même, hein, c'est un redoutable. Ah, il est top, aujourd'hui, bon, il était pas à sa meilleure forme. Bah. Puis, vous ressemblez comme deux frères, les gars, il n'y a pas de problème. À la troisième place, Marc Ripoll, le trailer. Oula, Marc, supporter là. Marc Ripoll. Tu comprends pas qu'on te parle? Tu comprends pas? Alors, sur une course nature, toi, le pur trailer, t'as réussi à te rayer le vernis. Bon. Sinon, c'est pas une course, hein. Voilà. Troisième face à des garçons comme eux, c'est... Presque une victoire. Hein. Exactement, ouais. On sait qu'ils sont intouchables, donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait la course tout seul, ils étaient bien loin devant, mais c'était sympa. Voilà. Et bien, c'est le grand idéal, moi aussi.